Bonjour. Comme vous le savez, les moteurs et les équipements d'avions ou d'hélicoptères nécessitent des pièces de haute technologie aux géométries complexes et fabriquées avec des matériaux de pointe. C'est pourquoi la nouvelle technologie de fabrication appelée fabrication additive ou plus communément impression 3D offre de nouvelles opportunités à cette industrie. On parle de fabrication additive car cette technologie consiste à produire une pièce en ajoutant de la matière, à l'inverse de l'usinage traditionnel où l'on enlève de la matière. Comme pour l'imprimante 3D que votre petit-neveu a peut-être reçue à Noël dernier, les ingénieurs conçoivent d'abord des modèles sur ordinateur, puis l'imprimante fabrique les objets en trois dimensions grâce à un ajout successif de matière, couche après couche. Cependant, la comparaison avec l'imprimante 3D de votre petit-neveu s'arrête là, car la fabrication additive utilise des machines et des procédés bien spécifiques. Commençons par la fusion laser sur lit de poudre. Avec ce procédé, on agglomère successivement, grâce au laser, de fines couches de poudre métallique composées de toutes petites billes qui forment petit à petit la pièce désirée. On peut aussi procéder par projection laser. Utilisé notamment dans le domaine de la réparation pour ajouter de la matière à une pièce, ce procédé consiste à apporter la matière à l'endroit souhaité, puis à la faire fondre au contact de la pièce. On pourrait aussi citer bien d'autres procédés de fabrication additive, car c'est un domaine nouveau dans lequel il y a beaucoup de recherches et d'innovations. Les pièces ainsi fabriquées sont monoblocs, sans assemblage, plus légères et peuvent intégrer d'autres fonctions qu'elles n'avaient pas auparavant. Pas cette fonction, non. Mais ce ne sont pas les seuls avantages. Grâce à un cycle de développement plus court, la fabrication additive permet d'être plus réactif et donc de disposer plus rapidement de prototypes. Et parce que la fabrication additive utilise la matière première au juste besoin, les constructeurs limitent leur stock et réduisent significativement leur consommation d'énergie, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement. En revanche, si les méthodes de production sont différentes, les processus de qualification, de validation et de certification restent bien sûr les mêmes que pour les technologies classiques. Fabriquer des pièces aéronautiques requiert toujours une exigence et une rigueur que seuls les constructeurs peuvent garantir. Ces technologies sont d'ores et déjà utilisées par Safran pour produire plusieurs types de pièces qui volent tous les jours. Comme par exemple les injecteurs de carburant des moteurs d'hélicoptères, pour lesquels la fabrication additive a permis de remplacer un assemblage de 15 composants par une pièce unique. Voilà, vous savez tout, ou presque. Avant de vous quitter, sachez qu'en ouvrant de nouvelles perspectives, la fabrication additive va transformer la production, accélérer les cycles de développement et permettre aux ingénieurs d'imaginer des pièces jusqu'alors inimaginables. Mais bon, pour cela, il reste préférable de faire appel à un ingénieur plutôt qu'à un magicien.